Salut à tous et à tous, bienvenue sur Papy Corse qui s'éclate sur Arc Survival. Donc nous sommes toujours le mercredi 26 décembre 2018, il est 19h35 et nous partons à l'aventure de suite. C'est parti, donc nous sommes en train de réunir tout pour la cuisinière. Ça serait top, ça c'est un des objectifs d'aujourd'hui, de faire une cuisinière. On a fait une... un labo de chimie, j'ai appris plein de trucs, comme pour le gamma, j'ai plus besoin d'écrire maintenant, on m'a aidé à le configurer, c'est plus rapide, c'est cool, voilà, donc ça, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ah ça y est, on a les 18, on a les 1800, alors je sais pas ce qui manque. Ah, c'est clair, Fia. C'est clair. Ah ouais, non. C'est obligé. C'est obligé, ceux-là. Là. Il y a tout? Vas-y, tu peux. Alors. Ah, un essence? Allez, on va faire la cuisinière. Je sais pas s'il reste de l'essence, là. Oui. Oh, oui, ça va, il y en a. Ça, j'irai aller chercher du pétrole après sous l'eau. Pendant que c'est... Ah, je sais pas si c'est doublé encore. Non, c'est jusqu'à ce soir. Vas-y, c'est bon. Purée, je pouvais faire un coffre. Il faut que je fasse... Hein ? Pas tout de suite, parce qu'il faut que je te fasse, tu sais, le bas, les croisillons pour te poser ta cuisinière. Je vais te la poser, il va falloir virer des trucs. Les marmites ou je sais pas quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut virer des trucs. Non, les balles, c'est pas la peine. Je vais faire plutôt les croisillons. On va t'installer ta cuisinière, là, et puis c'est bon, impeccable. Par contre, les croisillons, je crois qu'il faut que j'ai des blocs. Métal. T'as le schéma? Ah, ça serait génial. Ok. Super. De clim? Ok. Mais je crois que je les avais débloqués. Ouais, attends, la télé s'est éteinte, ça fait déjà 10 heures de... Oh. 10 heures de télé, là. Purée. Ok. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, Coco, tu fais hache et pioche en métal, hein. Après, si t'en as besoin, je peux t'en passer, hein, y a pas de souci. Enfin, on peut t'en passer. Hein. Mais si tu les construis toi-même, tu auras plus d'expérience, c'est sûr. Hein. Donc, tu dois avoir l'atelier, alors c'est bon. Oh. Fais bien de rire. Hein. Ah, vache. J'espère que ça va être comme ça aussi pour mes quiz. Hein. On rigole comme ça. Hein. Eh oui. Allez. Sinon tu en fais 3. Hein. Ou 4. Hein. Tu les fais. Hein. Ouais, tu peux, ouais. Mais bon, ouais. Je vais démarrer du robinet par terre, je pense, je vais voir. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, je pense comme ça. Ouais. Ah c'est bon, t'es parti avec, non? Tu les as fait? Ah d'accord, j'ai pas entendu. Alors, croisillon. Ok.
Tu as mis les schémas. Ok. Donc comment on fait? Un, deux, trois, quatre. Maintenant c'est bon. Trois. Voilà. Calme. Normalement ça devrait aller. Voilà, bon, on va installer la cuisinière dans la pièce à responsabilité, donc là où Patricia travaille. Je crois qu'elle aura pas mal de choses. Je crois qu'on arrive à la fin de la cuisinière, et puis on pourra attaquer une autre pièce à responsabilité. Je sais pas encore quoi, je vais voir. Allez, go. C'est parti. Voilà. Par contre, il faut que je fasse. Est-ce que je peux te péter tes marmites ou je t'attends là? Je récupère tout déjà. Des pilons aussi. Hein. Ok. C'est Indochine? Pourquoi c'est Indochine? Il y a plein de palmiers dans... C'est la jungle, c'est The Jungle. J'arrive pas à les enlever. J'aurais dû les enlever avant de mettre la fondation. Alors, bah tiens, là, ça y va, impec. Ça. On va mettre ça là. Ça là. Ça là. On va mettre ça là, normalement. Là, ça devrait aller. Voilà. Voilà. Oh, impeccable. Super. Voilà, nickel. Contrôle mur, génial. Ah ouais, cool. Ça y est, t'as ta cuisinière. Et voilà, cuisinière installée. Impeccable. Toujours dodo là et le titi. Ok, donc j'ai soif. Hop. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais. Bon, j'aimerais bien monter d'un niveau. Je vais faire des cailloux pour faire un autre broyeur. Enfin, un autre broyeur, un cycle de broyeur, on va dire. Pour qu'on soit un broyeur, c'est beaucoup trop cher. Je suis déjà encombré, qu'est-ce que j'avais sur moi? Ah ouais, j'ai récupéré des trucs, ok.
lourdin, mon aigle. Qu'est-ce qu'il a dedans? Salut Lokicho, ou Lokikyo, ou je sais pas comment on dit. Bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir de voir des nouveaux. Tout va bien. Passe une bonne soirée. C'est nickel. Il n'y a pas de problème. On est en PVP officiel. C'est du lourd. On est à peu près une quinzaine. Alliance et tribu. Sur la petite île de The Island. Voilà, tu sais tout, Lokikyo. Donc, qu'est-ce que j'ai ramené, moi? De la pierre. Donc, c'est pour le broyeur. Oh, bah, il y en a déjà, là. C'est bien, il en a ramené encore. C'est cool. Ça, on va l'enlever, par contre. Lève ta pioche, toi. Ok. Attache. T'es ma... Non. Non, non, je suis pas malade. T'es docteur, non? Plaisante, hein, depuis tout à l'heure, on rigole. Hein, donc, non, ça va. Et on a des chips. Ouais. Ah, j'ai du chichon. Prends l'apéro tranquille. Allez, petit chichon. Prends la route. Tout ça comme pierre, bien. Tu t'es fait raid? Nous, on joue sur PC. Hein. Oh, salut Solbestino, comment vas-tu, cher confrère de la Corse du Sud? Comment va? Tu as vu le beau temps qu'on a eu aujourd'hui? Cool in the gang. Hein. Tranquille, tranquille. On aurait pu manger dehors, presque. Tu as passé une bonne journée, Solbesino. Nous, ça va, on s'est bien éclaté. Il n'y a pas de problème. Je sais pas s'il fallait que je mette là, je sais même plus. Lingot polymère. Je vais faire du polymère s'il me faut du polymère.
Calme. It's very calm. Yes, sir. Ah, zut, fallait que je mette ça là-bas, je savais bien. Il y a quelque chose à mettre là-bas. Ah, il faut que j'aille chercher du pétrole après. Je vais prendre la combinaison de plongée et je vais faire un tour de... dans l'eau. Là, faut que je fasse fondre le métal. Purée, tout ce qu'il y a. Puis toute la viande que j'ai. Non, laisse tomber. Laisse tomber la neige, ça fait pas de bruit, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Ah, bon, je vais peut-être prendre 52 là. Peut-être ouais, continuer la construction. Ah, ça y est, c'est éteint, ça fait moins de bruit. Je vais peut-être continuer les constructions. Allez, un petit peu de métal. Non, 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 regarde, regarde. Et un, et deux. Et un, et deux. J'ai mes deux aigles. Un, et deux. Nanananana, j'ai pas de viande d'Argentavis. Niet, 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 Nico. Savati Soriel, un très gros bisou à tous les Corses. Oh, t'es gentil, Soriel, ça fait plaisir. Et toi, tu es d'où? Tu feras un bisou à tout ton département également. T'es gentil, ça. Enfin, quelqu'un qui fait des bisous à des Corses. C'est sympa. On n'est pas méchant. On aime les bisous. Les bisounours aussi. La Corse, c'est l'île aux bisounours. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. Il n'y a pas de souci. Et vous serez les bienvenus. Tu pourrais dire merci Sol Benizo. Non, Sol Benizo. Sol, ouais. Ouais. Hey, il remet une planche. Il remet une couche, pire. Le bisounours avec l'arc-en-ciel, ouais, tout à fait, ouais. Ah oui, les agents Tavis. On n'a pas trop avis ici, hein. En plus au Robcar, les Argentes à Robcar. Je te l'ai dit ça, Nico, hein, que Yannick Noah, à un moment donné, il jouait avec des boulons dans ses poches au tennis. Ah, tu sais pourquoi, hein. Il avait toujours des boulons dans ses poches quand il jouait des matchs.
C'était pour gagner la Coupe Davis. Oh le gag. Une harpe. Oh ça y est, c'est reparti pour un tour. Angelo, quels sont les dinos qui ont des kératines? Les dinos qui ont des kératines. T'as les trilobites, hein. C'est des espèces de crabes là, qui sont même le sol. Les tortues, exact. C'est les pires animaux, ça, parce qu'ils tordent et ils tuent. Ouais, bon, enfin bref, on me l'a sorti il n'y a pas longtemps. Les tricératopes. Il te tord, il te tue. Voilà. Ouais, c'est Mimi, hein. Ouais. Ah, je te l'avais dit, Nico. Hein. D'accord, ok. Bon. Je me répète alors. Sinon, c'est surtout les insectes où tu auras de la kératine. Les libellules, les fourmis volantes. Là, tu auras pas mal de kératine. Ou alors tu vas chez Beekeepers, tu vas raider Beekeepers, tu lui pètes son coffre, t'as plein de kératine. Mais vaut mieux pas, monsieur. Oh misère. Oh là là. Alors, allez, on va continuer construction. Ouais, t'en faut 75 pour la selle de Pnaradon. Un peu dans les Islands, surtout dans les marais. Non, n'y va pas, il va se faire lyncher dans les marais. Attends. Le mieux, c'est d'apprivoiser une grenouille et puis tu vas faire les grottes à insectes aussi. Hein. Ça, c'est, là, t'en ramènes plein. Hein. Et là, comme il lui en faut que 75 pour la selle de Pnaradon, c'est bon. Hein. Y a pas de souci. Mais attention, le marais, c'est dangereux, hein, Angelo. Hein. Y a Jean qui est là-bas. T'as la belle et la bête là-bas. Ouais. Alors, attends, faut que j'aille chercher mon aigle. Oh. Oui, le bossu. Tous les soirs, Papy Corse. C'est-à-dire tous les soirs. Tous les jours. Papy Corse est là tous les jours. Ça va le bossu? Et marécage, pas marquage. Ah oui, c'est... Surtout les serpents, tu les vois au dernier moment. Tu les entends avec leur... Quand tu les entends, c'est trop tard, ils t'ont déjà mordu. qu'est-ce que j'ai ramené? Pourquoi je suis là, moi? Tu vois, je discute, je sais même plus ce que je fais. Ça va. Ça va, on s'éclate. Attends, hop, on va mettre ça. J'en ai mis 7. Donc c'est le 4. Voilà. Ah oui, en effet, là. Ah, est-ce qu'on peut faire un double mur comme ça? Bah oui. Hein. On va faire un double mur comme ça, c'est génial, ça. Ah, j'ai plus de... Et ta maladie aussi. Ouais, la maladie, la fièvre des marais.
Une fois qu'elle est partie, elle s'arrête plus. Hein. Démarrer. Ouais, enfin, bref. Elle a du mal à démarrer. Tu me fais un petit verre ou pas en plus? La faim? Ah? Tu en fais un autre ou pas? Ouais? Merci. C'est demain, le docteur, ou c'est après-demain? Je sais même plus. C'est demain. Bon, c'est bon, là, ça se construit. Oh, il m'en restait un, tiens. Bon, je vais prendre de quoi pour aller faire du pétrole. Donc, j'ai ma pioche. Merci à plus. Je vais aller chercher combinaison de plongée. Si on me l'a pas prise. Ouais, tout à fait. Il y a du soleil, mais j'ai eu la flemme. Hein. Hier, pareil, j'étais dans le jardin, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai fait juste regarder. J'avais pas envie d'enfiler mes bottes. Puis là, aujourd'hui, il y a eu du soleil. J'ai pris un petit bain de soleil tranquille et j'avais pas envie d'enfiler mes bottes non plus aujourd'hui. Frais, non, quand t'es en plein soleil, ça va. Par contre, quand le soleil s'en va à partir de 4h, 4h30, là, ça commence à cailler. Ouais, tout à fait. Mais là, non, j'avais pas envie de travailler la terre, j'avais envie de rien faire, quoi, tout simplement. Ouais, le jardin, ça va attendre un peu. Hein. Quand il fera meilleur, vers le mois de mars ou avril, on va dire. Hein. C'est bon, hein. Tranquille. Hein. Ça va, ça va. Oui, ma combinaison de plongée. Alors, les palmes. Et les bouteilles. Comme ça, je vais faire de l'essence et même faire de la peau. Ouais, j'en ai plein de peau, c'est bien. Bouteilles de plongée. Tcha-t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 cha
C'est le samedi après-midi, ça commençait à 13h30, je crois, de l'époque. Et on regardait souvent Steve McQueen avec Au nom de la loi. Il y avait Les Mystères de l'Ouest avec Robert Conrad. Et puis le Nimbus, là, il me faisait peur, lui. Hein. Purée, des... enfin, je sais pas si vous avez connu ça. Hein. Ah ouais, ça, c'est des séries, mon pote. Chéri Bibi aussi. Ici, il fait moins 14. Moins 14, c'est un temps doux. Pour... oh, purée. Ici, tu vois personne. Hein. T'as pas un Corse qui sort à moins 14. Hein. Ah, ça, c'est... c'est le couvre-feu pour nous. Hein. Moins 14, c'est un couvre-feu. Hein. On sort pas. Ah, c'est clair. Hein. Ça doit être Canada, non? T'es au Québec, non? Moins 14. Ah ouais, non, là... il neige partout. T'es où, Lokikyo? T'es dans quelle région, Lokikyo? Attends, je vais pas chercher les... oh, bah, remarque, je peux faire une tournée de castor, hein, pendant que j'y suis. Hein. T'as l'habitude, hein. Tiens, il y a un petit barrage, là. Canada, hein, d'accord, ok, toi aussi, ouais. Vous êtes pas mal, du Canada, là. Hein. Tu dois être le quatrième ou le cinquième, hein. Sur mon Twitch, hein, qui vient, hein. C'est cool, ça. Oh, nous, en Corse, c'est rare quand il neige. Hein. Ah, Laval. Ça caille là-bas. Ouais, Laval, ouais. Oh, il y avait une bonne équipe de foot dans les années 70, hein, Laval. Il y a longtemps qu'on en a entendu parler dans le foot. Hein. Mais ouais, dans les années 70, je me rappelle, j'avais un album, tu sais, t'achetais des images. Hein. Je sais plus si c'était Panini ou un truc comme ça. Et puis, ouais, j'avais Laval et je me rappelle, c'était la couleur orange. Orange avec des rayures noires, je crois, de mémoire. Laval. Moins 14, on n'a pas besoin de mettre un coup de tête pour te défendre. Juste un coup de petite boule. Ouais, tu m'étonnes. Faut déjà faire le geste du petit coup de boule, hein, parce que déjà, ta nuque est... mais bon, ils se battent pas là-bas au Canada, hein. C'est pas la France. Hein. Ils doivent rire de la France avec les gilets jaunes, les Canadiens, hein. Tu m'étonnes. C'est les gilets rouges chez eux. Ah, ils sont pas violents, les Canadiens. Ils sont cool, ils sont tranquilles. Très, très hospitaliers. Quand on va dans un café, ils nous tirent pas une tronche pas possible, comme à Paris, par exemple. Ouais, mais bon, un café, fais pas l'autre. Hein. Montréal, ouais, bien sûr. Je connais Montréal. Montréal de Madrid. C'est une bonne équipe de foot aussi, ça. Laval, ils connaissent les Québécois. Attends, quand même, c'est une grande ville. Hein. Je sais pas s'il y a une spécialité à Laval. S'il y en a une, tu peux nous le dire. Fire. Ouais, la ville, Montréal, oui, bien sûr. Ouais, bonne... hein, si on t'embête, Coco, tu nous le dis. Hein. Pas de problème. Hein. Bon appétit, Coco. Hein. Ciao, ciao, t'as fait tes pioches et ta hache, j'espère. Le plus dangereux, c'est quand tu as l'habitude, t'as froid comme ça. Ouais, mais moi, j'aurais jamais l'habitude de ça, moi. Non, non. Je serais trop malheureux, moi. Purée. Tes parents, ils étaient vitriers ou quoi, chaton, là? Purée, je vois plus que dalle, là, bébé. Ça va, t'es tranquille? Si je te gêne, tu me le dis aussi, toi. Non, ça... non. Ça t'embête pas si je joue, non? Ah, merci, t'es gentil. Allez, on va s'habiller, on va plonger, on va aller chercher du pétrole. Voilà. Ah, je sais qu'ils recrutent beaucoup le Canada. Hein. Ouais. Ils débauchent plusieurs pays même, hein. Surtout la France. Hein. Ils aimeraient bien recevoir plus de Français pour travailler là-bas. Ouais.
J'ai entendu parler, il y a beaucoup de Français qui s'installent là-bas. Mais moi, franchement, je ne pourrais pas. Même y passer une semaine, je ne sais pas si je pourrais. Hein, je serais malheureux là-bas. Pour le froid, hein, pas pour les gens, par contre. Les gens, ils sont super sympas. Moi, j'en ai reçu en Corse parce qu'on loue des chambres. Super sympa. Franchement, nickel. Allez, go. On va aller chercher du pétrole, va. Ah, bien sûr, un mégalo. Elle nous prend pas toutes les infirmières de France aussi, Fier. Hein. Hey. Laisse-nous-en, hein. On en a besoin aussi. Hein. C'est sûr que il serait peut-être moins malheureuse chez vous au Canada qu'en France. Hein. Question paye et respect, peut-être. Je pense que c'est beaucoup mieux chez vous. Moi, j'ai travaillé en sécurité dans les hôpitaux. C'est chaud, hein. Il y a des moments, c'est chaud, hein. Surtout aux urgences. Attends, là, j'ai un petit mégalo là, qui en a marre de vivre. Il a pensé au suicide, il vient me voir. Donc voilà, ça y est, hein. Voilà, c'est fait. Ton vœu, il est exaucé. Ah, t'en as un autre? Ah, d'accord. C'est un suicide collectif. Hein. Bon, ok. Voilà, en direct. Ah, plus rien, c'est bon, sûr. Ok. Bon, qu'est-ce que tu me donnes, toi? Une dent? Il avait une dent contre moi. Et toi aussi, t'avais une dent contre moi, pas? Tu vois? Eh ouais, lui aussi. Oh, il avait quatre dents contre moi, lui. Oh. Allez, c'est bon, le reste, je m'en fous. Non, non, pas avec l'épée, s'il te plaît. Avec la pioche, ça sera mieux. 2 semaines à Paris et les infirmières voulaient toutes revenir avec moi au Canada. Qu'est-ce que tu leur as fait, mon petit fils? Hein? Qu'est-ce que tu leur as promis? T'étais dans une maison de retraite? Tu leur as dit comment que ça se passait là-bas? Moi, t'étais cool avec eux? J'en veux bien un peu, s'il te plaît, à poser. Purée, attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh la vache, j'ai plus de. Ah, zut! Ah non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon signe ça. J'ai plus d'énergie. Je leur ai parlé avec mon accent québécois et elles ont été séduites. Non, sérieux. Sérieux, tu as parlé avec l'accent des têtes à claque et tu les as séduits avec cet accent-là? Baba. Tu sais que nous, on séduit avec notre accent méditerranéen. Mais l'accent québécois. Et c'est le premier Québécois qui dit qu'il a un accent. Parce que généralement, les Québécois, ils disent que c'est les Français qui ont un accent. Et le vrai français, c'est les Québécois qui le parlent. Donc, l'accent, c'est les Français qui l'ont. Ah ouais, là franchement, là c'est la première fois que je vois un Québécois qui dit j'ai moins un accent. Et puis t'en as pris quelques-unes avec toi ou pas, Fier, alors? Dis-nous tout, hein. Il y en a combien qui t'ont suivi? C'est selon que ça t'arrange, Fier. Hein. T'as raison, hein. Aucune. Pourquoi? Fallait que tu payes le voyage, peut-être. T'as dit non, non, c'est bon, les gars, les filles. Bon, attends, il faut que je remonte chercher de l'énergie. Parce que je vais avoir un sérieux problème, sinon. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Normalement, je prends un Lazarus, mais là, j'ai pas pris le temps. Ah ouais? Il s'était arrivé à Paris. T'as été mangé à la tour d'argent? T'as eu une indigestion?
Alors, qu'est-ce que tu veux? Mourir de faim. Allez, hop. D'abord, on ne dit pas un fermier, on dit une fermière. Insuffisance cardiaque, ah, fais gaffe, hein. Ah ouais, fais gaffe, hein. Surtout à Paris, on respire moins bien qu'au Québec, hein. Fais attention, hein. Ah d'accord, infirmière, une ferme. Ouais, ok. Croquette, il est en forme ce soir. Une double en. Ouh là là, en pôle mulaire, des cailloux dans. Ouh là là, t'as la totale là. On s'est aperçu que mon cœur allait pas fort. Ah d'accord, ok, ouais, j'ai à peu près le même truc moi. Ouais. Bah fais-toi suivre hein, là-bas et fais gaffe quoi. Hein. Joue pas avec ça. Hein. Du jour au lendemain, tu peux partir. Hein. J'avais 18% du cœur qui fonctionnait. Eh bien, je suppose que tu prends ta tension tous les jours. T'as un tensiomètre chez toi. Pourquoi il va pas vite? J'ai les palmes pourtant. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai l'impression de faire du surplace. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est un dauphin ça? Ah ok. C'est Oum le dauphin. Ouais, attention même, bah moi aussi. J'en ai acheté un il y a 3 semaines. J'ai un vaisseau qui a éclaté dans le nez, je pissais du sang pendant 3 jours. Je croyais que j'allais y passer, hein. C'est terrible, terrible. Alors depuis j'ai des cachetons et puis je prends ma tension. Voilà. Vous êtes encombré maintenant. Oh purée, attends, je dois avoir de la pierre sur moi, je vais la dégager. Exact. Qu'est-ce qu'il y a? On m'attaque? Qui c'est qui est pas content là? Non, c'est bon. Ah ouais. Je sais pas quel âge que t'as, mais bon, arrivé à un âge, faut faire gaffe. Hein. C'est clair. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai entendu la musique d'attaque, y a personne. Faut que je fasse. Ah oh, purée, je suis encore encombré, c'est pas possible. C'est du caillou ça. Caillou, caillou, caillou. Hop, la viande aussi de poisson, on s'en fout complet. Allez, hop, j'en veux pas. 1, 2, ça fait 800 pétrole. Bah écoute, on va faire avec. Allez, hop, c'est bon. Cet été, j'ai eu un problème et j'ai dû recevoir un choc au cœur. Oh là. Et par la suite, on a changé ma médication, ce qui a posé un problème de potassium 2 semaines. Ouais. Et ça t'est arrivé à Paris donc. J'en suis presque. Ouais, tu m'étonnes. Pour ça, prends soin de toi, hein, fais attention. Hein. Eh ouais. Tu reviens de loin, comme on dit. Ah, il y a 5 ans. Ah ouais, non, d'accord, ok. T'as eu plusieurs choses, quoi. Allez, hop. Purée, tu fais quoi, là? T'as l'air fin avec tes bouteilles et tes pommes, la papille. Ah, ça. Allez, viens, mon aigle. Allez, viens, hop. Allez. Oh, il est trop près de l'eau. Bon, fais attention, Fier, hein, prends soin de toi. Hein. Ah, ok, ouais. Salut, Lulu Chap. Salut, salut, bienvenue au Twitch de Papy Corse. Ah ouais, 34 ans, ça a l'air d'être génétique. Comment on appelle ça héréditaire, voilà, c'est ça, héréditaire. Ah bah fais gaffe, hein. 34 ans, ça fait jeune. Hein. Ça va, Lulu Chap. On discutait un petit peu de problèmes cardiaques là, mais sinon tout va bien, y a pas de souci. On s'éclate sur Arc. Ça rime en plus. Arc. Héréditaire, ouais, bah fais gaffe, hein. Ça, c'est.
prendre soin de soi. Et toi, tu vas bien, Lulu Chap? Dans la trentaine, ouais, d'accord. Bah, ménage-toi, hein. Bon, bah, tant mieux, alors. Si ça va, c'est bon. Problème cardiaque, faut pas parler de ça avec moi. Je fume autant qu'un incendie. Ah ouais, mais... Moi, j'ai fumé, j'ai arrêté. Hein. J'avais pas envie que mes enfants, mes petits-enfants viennent me voir à l'hôpital et... Je pourrais même pas leur parler avec un appareil dans la gorge et tout. Voilà. Je me suis dit, bon, allez, hop, stop. Allez, fais gaffe, la nicotine, ça bouche les artères. Après, bon, on fait comme on veut. Hein. Une formation temps plein de 2 ans. Une formation de 2 ans. Purée, ici, c'est chez nous, c'est 6 mois, hein, maxi. Hein. Bah, tout le monde va bien, apparemment. Hein. Lulu Chap demande si tout le monde va bien. Tu es d'où, Lulu Chap? Dis-nous tout. T'es de France, de Guyane, de Corse, de Babeloued, Marrakech, Québec. Ah, un petit cadeau. Petit cadeau pas loin de chez nous. 6 mois pour faire quoi? Oh, je sais pas, 6 mois pour faire, tu sais, tant de trucs. Portugal, hein, Camp Paumé. Ah! Portugal! Attends. Oh, Scoozie! Oh, le chat, il a eu peur. Scoozie. Ouais, t'as des formations de 6 mois pour la sécurité, t'as des formations de 6 mois pour être agriculteur, t'as des formations de 6 mois pour être secrétaire, t'as... Enfin, voilà, des formations, t'en as plein. Mais 2 ans! 2 ans, ça fait long, hein. Alors, Portugal, un coin paumé. Dis-moi tout, qu'est-ce que je connais, moi, au Portugal? Porto? Ouais, c'est ça, Porto. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, on dit. Allez, une ville du Portugal, sauf Porto. 1 point pour celui qui trouve, à part Lulu, évidemment. Si, si, formation professionnelle, 6 mois, oui, oui, tout à fait. Hein. Tu sais, en France, c'est expéditif. Hein. C'est pas comme au Canada. Hein. Il y en a même qui passent pas les 6 mois et ils donnent 800 balles, hein, 800 euros, et hop, ils repartent avec le diplôme, tu vois. Enfin, ouais. C'est hallucinant en France. Bruxelles. Eh non, moins un, croquette. Moins 1, donc ceux qui ont moins de points, en dessous du 0, bah c'est eux qui m'envoient un cadeau. Voilà, donc Croquette sera le premier. Ta réponse est chou. Ah ouais, franchement j'aime bien, c'est chou. Si t'as compris. Personne ne peut faire médecine. Hein. Ah non, non, médecine, non, 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 je parlais pas de médecine. Hein. Non, 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 médecine en 6 mois, non, non. Non, non, tu as raison, là. Non, non, je te parlais de ce que je t'ai dit, la sécurité, secrétaire et tout. Non, médecine, non, c'est un peu plus, quand même. Hein. C'est bac plus 7 ou bac plus 8, hein, pour les études, hein, donc... Non, 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 non. Paris. Tenue. Purée, je suis trop lourd, j'ai pris tous les cadeaux, je suis trop lourd. Qu'est-ce qu'il y a, 4 de ça, 3 de ça. Ils s'en foutent, ça. Je suis à combien de kilos là? Poids 330, j'en ai encore trop. 16 kilos, j'en ai 20. Ça, je m'en fous. Ça, ça, ça. Qu'est-ce qui est lourd là? Purée, j'ai 315. Oh, j'ai 6 pieds, tu vois. 16 kilos. Ah, oh, ça va être encore trop. Puis l'aigle. Bon, attends, je vais jeter quelque chose qui est le plus lourd et je vais le récupérer. Je vais le mettre dans l'aigle. Allez.
Le plus lourd, j'ai du 20 kg. Ah, j'ai que du 20 kg. Ouais. Voilà. On va le récupérer là-haut. J'ai toujours mes machins, moi, n'importe quoi. J'ai toujours ma bouteille de. Non, mais franchement. F. Windows Server, Action, WinRAR, Strava, Windows. Oula. Complète en informatique, réseau et sécurité. Ah, d'accord, ok. C'est sûr que pour planter des choux, ça. Moi, je ne peux pas savoir, mon pote que je connais avec eux. L'île de Madère. Question qui est la capitale de Madère. Hein? Quelle est la capitale de Madère? À Bronte, à Hockem, à Guada. Allez, CRDS. Et là, vous parlez comment là? Allô, Bacha. Jean-Louis? Non. C'est Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, c'est pas Jean-Louis, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre? Ouais. Qui craint comme je sais pas quoi? Jean-Pierre Madère. Je sais pas si tu connais. Confirmation comme celle que j'ai fait normalement, c'est 3 ans, car il y a cours d'anglais, français, éducation physique, j'ai déjà fait il y a 20 ans. Ah ouais, Funchal, Amarante. La capitale de Madère, c'est Funchal. Eh, j'aurais pas trouvé, hein. Bah moi, je veux rattraper toutes les bêtises que je risque de dire. Salut Vali, tu parles de capitale, c'est qui? C'est Nico, hein? Tu m'as demandé la capitale. La capitale de Tamalou. Dis-moi. Allez, le premier qui trouve, il a 5 points. La capitale de Tamalou. Ça y est, on a démarré le quiz. Tamatoun, non, c'est pas Tamatoun. La capitale de Tamalou, c'est Bobola. Tamalou, Bobola. Ouais, bon. Personne n'a trouvé, il n'y a pas de point. Odo, ouais. Papy, il a faim, il attend sa gamelle. C'est pareil, non, c'est pas pareil. On fait quoi? Ben on délire. On délire. On pète un câble. On joue, on joue. On essaye de jouer à Arc. De Triomphe. Arc à flèche. Oh, attends, j'ai encore mes bouteilles. Non, mais tu vois pas, toi, comment je. Non, mais attends. Moi, bon, je vais clôturer l'épisode là. Merci de m'avoir suivi sur Arc Survival ou Papy s'éclate dessus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao.